Un incendie s'est déclaré à la société ivoirienne de raffinage ce jeudi 21 septembre 2023 aux environs de 11h. L'incendie provenait d'une fuite enflammée à l'intérieur du four 87F05. 30 minutes après, le groupement des sapeurs-pompiers militaires venu en nombre a maîtrisé le feu. Il n'y a pas eu de victimes. Le directeur général Tiotio Soro, présent sur le site, a tenu à rassurer la population quant à l'approvisionnement en produits pétroliers. Notre métier est un métier à risque, mais nous nous sommes préparés. Nous nous préparons, nos équipements sont très très en forme, comme on vous l'a dit. Et vous avez vu que le feu a été maîtrisé en 30 minutes. C'est ce qu'on demande aux équipes d'une raffinerie. Parce que la réaction des 15-30 premières minutes est très importante. Je vous dis merci. Et il faut rassurer l'ensemble de nos partenaires financiers, les Ivoiriens, que leur outil d'acier se porte bien et va repartir. La partie qui a été sinistrée va être réparée et repartie dans quelques jours. Le four 87F05 est un équipement de chauffe de produits du complexe Hydrocracker. Il réchauffe le produit à 350 degrés Celsius et marche à environ 20 bars. Les 33 opérations de sécurisation de l'installation se poursuivent et cela génère des flammes hautes aux deux torches de la raffinerie.